Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le dimanche 26 mars à propos de l'épidémie d'influenza. Le docteur Albert Robin dit « L'épidémie actuelle nous arrive des États-Unis et de Russie. » Vous pensez bien qu'avec la rapidité des moyens de communication, ça ne lui a pas pris très longtemps. Quant au professeur Landouzi, au mois de décembre, nous dit-il, « J'étais à Saint-Pétersbourg et la grippe y sévissait depuis 3 semaines. En janvier, elle était à Vienne. Au début de ce mois, à Londres. Elle est maintenant à Paris. » Le docteur Gilles de la Tourette. Les mouvements de terrain des travaux ne donnent pas à mes malades, ouvriers de l'exposition, les fièvres intermittentes dont certains journaux ont parlé. Sur 3000 ouvriers de l'exposition environ, quelques-uns sont atteints, mais dans une proportion très normale et leur état n'est pas plus grave que celui des autres malades. L'avant-dernière nuit, une bagarre s'est produite boulevard Saint-Michel entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Une bande de jeunes gens qui avaient arboré des cocardes tricolores, parcouraient le boulevard en criant « Vive l'armée, à bas Zola, à bas Picard !» Quand un passant, à hauteur du lycée Saint-Louis, s'arrêta et cria « Vive Zola !» Entouré par les manifestants, on allait lui faire un mauvais parti, quand d'autres jeunes gens qui se trouvaient à la terrasse d'un café accoururent et le délivrèrent au cri de « Vive Zola !» Les amis de l'armée ripostèrent et voulurent faire le siège du café. Ils envahirent la terrasse et une bagarre à coups de canne s'ensuivit. Plusieurs tables furent renversées, plusieurs vitres furent brisées. Un des combattants fut assez grièvement blessé. Bonne journée, madame, monsieur, et à demain.